السلام عليكم مازول فلاون بونجور صحة رمضانكم. Plus de d'une cinquantaine de partis sur 64 ont participé aux consultations de monsieur Ouyahia sur le projet de révision constitutionnelle. En plus de représentants en organismes de toutes sortes et de personnes en tout genre protocolairement reçues et publiquement annoncés comme étant des personnalités nationales. Ne leur faisons pas de procès d'intention. Considérons que leurs intentions sont bonnes, que toutes ces gens y sont allés parce qu'elles y croient, et qu'elles ont peut-être raison d'y croire après tout. D'ailleurs, M. Ouyahia lui-même, lui qui a fait de mémorables procès d'intention aux gens et aux autres, nous demande de le croire sur parole, que nous n'avons pas le droit de douter des intentions du président. Bouteflika, les consultations sont donc finies. Fin du premier épisode d'un feuilleton qui promet des surprises. La suite des événements devrait commencer par une synthèse, nous dit-on, des propositions faites par les participants. Large programme, vaste programme, dans lequel le redoutable manipulateur et fameux chef d'orchestre de la plus grande fraude électorale de l'histoire de l'Algérie va pouvoir nous jouer une autre partition et jouer sur du velours par la même occasion. Faire une synthèse sur du bric et du broc, et même sur des propositions qui se veulent honnêtes et sérieuses, est une très bonne méthode pour faire dire à toute une foule de gens ce qu'on voulait leur faire dire de toutes les façons, sans même qu'elles y pensent. Attendons-nous donc à une sorte de fourre-tout où tout un chacun va retrouver une toute petite partie de ses propres propositions et au beau milieu de toutes ces dispositions qui n'intéressent pas le moins du monde le véritable pouvoir qui a lancé cette initiative, gageons qu'il y en aura qui vont sortir du chapeau et qui vont prévoir du nouveau pour ce qui concerne toute vacance éventuelle du président. Gageons que le fin mot de toute cette mise en scène consistera à empêcher que le pouvoir n'échappe à l'oligarchie qui en dispose totalement aujourd'hui. Gageons aussi que toute cette fébrilité constitutionnelle ne vise qu'à pallier à une éventuelle disparition du locataire juste formel d'El Moradir. Mais ne jurons de rien, sauf qu'il ne fait aucun doute qu'il y a anguille sous roche. Ce régime ne peut pas se lancer dans une telle aventure pour la simple raison de doter le pays de plus de démocratie. Lui qui a réussi la gageure à faire élire un quasi impotent à la tête du pays. Le penser serait juste se moquer du monde et insulter le bon sens de gens moyennement intelligents. Le penser seulement. Penser que ce régime peut initier une démarche qui donnerait tout leur sens aux institutions serait de l'angélisme béat. Penser que ce régime pourrait être l'initiateur d'une vraie démocratisation du pays serait croire que les loups sont d'excellents bergers. Surtout quand le maître de cérémonie qui officie autour de passe-passe s'appelle Ahmed Ouyahia. Attendons donc de voir et il ne faut pas douter que nous n'attendrons pas longtemps. Ce régime est sur des braises ardentes. Il sait qu'il est sur le fil du rasoir, que le président de façade, celui qui sert de devanture institutionnelle, peut tirer sa révérence d'un moment à l'autre. En l'état actuel de la Constitution, une éventuelle vacance présidentielle signifierait la chute du régime. Tout le bon monde qui est au gouvernail du bateau ivre qu'est notre malheureux pays, qui vogue à volo en attendant de sombrer corps et bien, ce régime-là pourrait se retrouver dans une belle panade. Les gens qui sont au pouvoir, qui ont réussi à le garder à travers une hallucinante parodie électorale, ces gens qui ont réussi à faire accepter à tout un peuple que l'impotent intégral qui leur sert de président ne sert que de vitrine institutionnelle au vrai maître du pays, ne sont pas stupides au point de faire un travail à moitié. Ce travail dont M. Ouyahia assume le côté VRP, est déjà dans les tablettes. C'est déjà plié, emballé, prêt à être livré à un peuple qui, de toute façon, ne réagira à rien, du moins pour le moment, pour la simple raison
qu'il a été anesthésié, placé sous coma artificiel, jusqu'à ne plus se rendre compte que l'avenir de son pays, voire même des générations futures, est gravement compromis. Mais bon, tout cela reste un point de vue donc relatif, donc subjectif. Avec nous aujourd'hui, Maître Zoubida Essoul, présidente de l'Union pour le changement et le progrès. C'est la seule présidente de formation à avoir assisté à la conférence pour la transition et les libertés. C'est la seule femme, je voulais dire, pour la CLTD. Et comme le FFS, après avoir assisté aux travaux de la CLTD, elle a assisté aux consultations de M. Ouyahia. Comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Elle nous dira ce que sa formation a proposé lors de ses consultations avec le représentant du président Bouteflika. Rappelons que le FFS, la formation la plus importante de l'opposition à avoir assisté à ses consultations, n'a fait aucune proposition. Aujourd'hui, nous verrons, le soir, d'Algérie, consultation autour de la Constitution où Yahya rate le consensus. Un article de Sofiane Aïtiflis. TSA. Constitution. Ouyahia clôt les consultations, mais beaucoup de questions restent sans réponse. Un article de Hacheram Amri. Liberté. Fin des consultations politiques à Al-Mouradia. Ouyahia remettra son rapport dans 20 jours. Un article de Souheila Hammadi. Mais regardons d'abord quelques extraits de la conférence de presse de M. Ouyahia au sujet de ses consultations et de cette révision. Vidéo, s'il vous plaît. تعزيز الفصل ما بين السلطات تعزيز دور البرلمان خلق مكانة للمعارضة لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تعزيز الحقوق والحريات للمواطنين شخصيات مدنية وشخصيات معنوية هو السؤال بعد نصف مسار الاستشارة بعد ما هو موجود في الساحة هل يمكن لنا أن نقول أن الإجماع حول الدستور من الممكن بدون أن أستبق الأحداث نقول نعم من الممكن لماذا؟ نعلل على ذلك بست نقاط بعجالة النقطة الأولى المعارضة تطالب بتغيير في خدمة الديمقراطية رئيس الجمهورية أعلن على نفس الهدف في خطابه عند أداء اليمين المعارضة تنادي إلى نتيجة توافقية رئيس الجمهورية هو كذلك أعلن أنه عازم أن يصل إن شاء الله إلى نتيجة توافقية المعارضة تناشد إلى بعض النتائج اللي تعزز الديمقراطية وهي الفصل ما بين السلطات تعزيز مكان البرلمان ورقابة البرلمان تعزيز استقلالية القضاء رئيس الجمهورية يناشد ويلتزم بالأهداف الثلاثة المتشابهة وضاف لها شيء هو اللي بادر به الأول خلق مكانة ودور للمعارضة في المؤسسات بقات قضية وهي الثقة ما يعلم بالنوايا إلا ربي سبحانه لكن نحن كبشر نقول للإخوة اللي مقاطعين ومختلفين في الرأي شيء ما يكلفكم إذا كان مشيتوا في العملية بل أكثر من ذلك Tout est bien dans le meilleur des mondes, selon M. Ouyahia. Dommage que la vidéo ait été interrompue, le meilleur était à la fin. Mais enfin. Madame Essoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, maître. Alors, madame Essoul, vous avez assisté aux travaux de la CLTD et aux consultations du représentant du président, avant d'entrer dans les détails, vous pensez que l'une et l'autre initiative se valent, qu'elles procèdent des mêmes intentions déclarées, ou plus exactement que les intentions des uns et des autres sont aussi honnêtes les unes que les autres ? Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer sur une question très importante et d'actualité nationale. Je vous en prie. D'abord, nous, on a participé parce qu'on croit que tous les espaces d'échange et de débat sont intéressants,
qu'elles viennent de l'opposition ou qu'elles viennent du pouvoir, c'est ce qui nous fait défaut. Hélas, nous n'avons pas suffisamment d'espace pour débattre de tout ce qui intéresse les Algériens et qui intéresse le devenir de l'Algérie de demain. Donc, ce n'est pas du tout contradictoire. J'ai répondu avec beaucoup de plaisir à l'invitation de cette conférence. J'ai assisté, j'ai exprimé le point de vue du parti que je préside. Comme aussi, nous avons répondu favorablement après réunion de notre Conseil national et après un débat démocratique et en présence d'ailleurs de la presse, des médias qui ont bien voulu assister et couvrir l'activité et la réunion du Conseil. Et le Conseil, souverainement, a décidé à sa majorité de participer à cette consultation. D'abord, nous avons participé parce que nous considérons que critiquer ne construit pas. Il ne suffit pas. On ne peut pas se dire qu'on est dans l'opposition juste pour critiquer. Et l'Algérie, aujourd'hui, a beaucoup plus besoin de gens qui peuvent apporter des pistes de réflexion, comment trouver les voies et moyens d'arriver à consolider la démocratie et arriver au changement auquel aspirent tous les Algériens, toutes tendances confondues. Mais Madame Assoul, excusez-moi de vous interrompre. Vous croyez vraiment que ce régime aurait très bien pu d'abord respecter la constitution actuelle, notamment l'article 88 par exemple. Comment un régime qui ne respecte pas la constitution qu'il a sous la main, qui est en application, peut-il l'améliorer alors qu'en l'état, il ne la respecte pas? Que pouvez-vous attendre d'un tel régime et comment pouvez-vous croire que ses intentions sont bonnes, qu'il veut vraiment aller, comme vous dites, vers une démocratisation, vers une performance démocratique? Vous savez, le pouvoir actuellement, dans la phase actuelle, en 2014, n'est plus le pouvoir comme il l'a été il y a quelques années. Le pouvoir lui-même est acculé par des vérités, d'abord de la situation économique du pays, de la situation politique, d'une existence d'une opposition qui est une opposition différente, mais qui est quand même une opposition constructive. Donc le pouvoir lui-même a intérêt aujourd'hui pour sa propre survie de mettre un peu, de lâcher du lest. Hein, je peux vous le confirmer. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est que Yahya, quand il nous a reçus, et ça, ce n'est pas un secret, je ne dévoile pas un secret, mais quand on a été reçu en tant que parti politique, il est revenu sur deux mots, la confiance et la pédagogie. Et c'est vrai, quand il parle de confiance, je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure que ce pouvoir-là, on ne peut pas, en vue de ce qu'on a déjà vu de sa manière de gérer les affaires publiques, il n'y a pas vraiment beaucoup de signes qui incitent ou qui inspirent la confiance. Et ça, je l'ai dit à M. Yahya lors de notre rencontre, c'est vrai que celui qui doit donner les signes de la confiance, c'est plutôt le pouvoir. Parce que l'opposition, tout ce qu'elle a, c'est d'exprimer ses points de vue, mais elle n'a pas les moyens de faire autre chose. Par contre, le pouvoir a les moyens de donner des signes forts et sérieux quant à vraiment sa volonté sincère d'aller vers un changement pacifique. Mais comment pouvez-vous croire ça, maître vous qui êtes juriste, vous êtes avocate, et qui êtes président d'un parti politique. Vous voyez très bien que le chef de l'État est en état d'empêchement évident, manifeste. Or, le Conseil constitutionnel ne s'est pas auto-saisi pour désigner une... Nous, on n'a pas dit le Conseil constitutionnel, il dit, bon, il est malade. Non, que le Conseil constitutionnel constitue une commission composée d'experts médicaux, de professeurs en médecine, pour confirmer ou infirmer l'état d'empêchement de ce président. Vous le savez très bien. Alors comment un tel régime, vous pouvez croire en ce qu'il dit? Madame Assoul, nous avons perdu Madame Assoul. J'espère que je n'ai pas été trop brutal. On essaye de la rappeler.
Mais sinon, ce que nous ne comprenons pas. D'abord, il faut rappeler, en attendant, je dois vous tenir un peu compagnie en attendant de retrouver notre invité. D'abord, avant tout, il faut se rappeler que ce régime a invité environ 64 partis. Ça veut dire qu'il y a au moins 64 partis. Personne ne connaît le vrai chiffre des partis qui existent en Algérie. Mais l'État a dit avoir invité 64. Donc il y en a au moins 64. Ce sont pour la plupart des épiceries politiques qui ne servent à rien, que personne ne connaît. Certains partis sont composés d'une même petite famille. Une petite famille, un mari, un homme, son épouse, ses enfants, ses cousins. Ce sont des petites combus qui servent à faire des petites affaires. Des personnalités, il nous parle de personnalités, de professeurs d'université, etc. On ne doute pas qu'il y en ait parmi ces gens, des gens honorables, certainement. Mais ils doivent être très, très, très rares hein, dans le lot. Sinon, cette révision constitutionnelle, soi-disant, M. Yahya a voulu entendre tout le monde, tous les représentants, un tant soit peu représentants de tous les courants politiques. Mais en l'occurrence, pourquoi ne pas appliquer déjà la constitution actuelle? Pourquoi ne pas consacrer la séparation des pouvoirs qui se trouvent entre les mains d'une seule et même oligarchie? Ce n'est même pas une personne, c'est une oligarchie, c'est un petit clan. Pourquoi ne pas demander au Conseil constitutionnel de s'autosaisir? On me dit que Mme Assoul est avec nous. Mme Assoul, nous avons été interrompus, je m'en excuse. Oui. Donc je vous posais la question, comment... Des médias et des technologies de la communication. Oui. Alors je vous demandais, comment pouvez-vous croire en un tel régime qui ne respecte aucun... qui ne consacre pas la séparation des pouvoirs, dont le Conseil constitutionnel ne s'auto-saisit pas pour contrôler l'état de santé, vérifier l'état de santé de ce président. Comment pouvez-vous croire en lui? Vous savez, moi je crois en la réalité du moment, parce qu'il y a la situation intérieure du pays, de l'Algérie, de l'opposition, des Algériens qui n'acceptent plus cette situation de fait, mais il y a aussi la conjoncture géopolitique. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir, c'est très bien de par ce qui se passe dans la région, de ce qui se passe sur nos frontières, de ce qui se passe dans le monde arabo-musulman en général et dans le monde, il ne peut plus faire les choses comme il a l'habitude de faire. C'est pourquoi je vous le disais tout à l'heure, c'est pour sa propre survie et dans son intérêt qu'aujourd'hui, il fasse le changement d'une manière pacifique. Mais bon, on verra bien maintenant, on verra bien après toutes ces consultations, on verra bien si ces consultations ne vont pas avoir le même sort que les consultations de 2011. Vous-même, votre propre formation, quelle proposition avez-vous faite? Mais écoutez, nous sommes un jeune parti politique, mais nous avons travaillé sur un nouveau projet d'une constitution nouvelle qui s'appelle d'ailleurs, on l'a intitulé la constitution du changement. C'est ce que nous avons proposé et nous avons remis à M. Ouyahia lors de notre consultation le 18 juin passé. Et cette proposition s'articule autour d'abord de la définition du régime politique en Algérie. La deuxième des choses, c'est la construction de l'État institutionnel basé sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Ça veut dire qu'on a quand même enlevé énormément de pouvoir au président de la République. On l'a laissé comme garant de la Constitution et comme arbitre entre les différents pouvoirs. Mais on a mis un exécutif à deux têtes, c'est-à-dire un président de la République et un chef du gouvernement qui, lui, représente la majorité, qu'il soit issu de la majorité parlementaire. Nous avons renforcé aussi dans notre proposition les pouvoirs du Parlement quant au contrôle de l'action du gouvernement. Et parmi les propositions, c'est de donner carrément la présidence de la commission des finances à l'opposition,
parce que le gouvernement ne peut pas être jugé parti. Et donc, il faut impérativement que l'opposition puisse contrôler comment on utilise les deniers publics et comment on exécute l'argent public, où est-ce qu'il va. Il faut quand même que la représentation nationale puisse, elle, avoir un droit de regard sur l'utilisation des deniers publics. On a parlé aussi de l'indépendance de la justice, et cela à travers une indépendance totale du Conseil supérieur de la magistrature de par le président. Donc on a proposé que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit un magistrat de haut rang et qu'il soit élu par ses pairs, et que cet organe puisse avoir l'indépendance totale financière et administrative pour qu'il puisse avoir quand même une certaine autonomie dans la gestion des carrières des magistrats. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui, parce que les magistrats, quand eux-mêmes ne sont soumis à l'administration centrale, c'est-à-dire la chancellerie, le ministère de la Justice, dans la gestion de leur carrière, ils ne peuvent pas tellement avoir une marge de manœuvre quant à leur indépendance, notamment par rapport à certaines affaires qui intéressent l'opinion publique. Nous avons aussi proposé le renforcement des institutions de contrôle et de régulation, qui est le rôle fondamental d'un État de droit. Il faut impérativement aller vers des institutions de contrôle, et à cela, on a proposé le renforcement du rôle de la Cour des comptes. On a proposé que les magistrats de la Cour des comptes soient protégés de toutes les influences et de toutes les pressions qu'elles peuvent subir de la part du pouvoir exécutif. Et on a mis carrément une disposition qui demande à la Cour des comptes de publier son rapport annuel, qui est actuellement envoyé uniquement au chef de l'État, mais de le publier de manière à ce que Comment l'opposition puisse se sont contrôler passées ça. les consultations? Est-ce que tout le monde était autour d'une même table ou est-ce que Monsieur Ouyahia vous a reçu l'un après l'autre? Non, non, mon parti était représenté par 5 personnes, Oui. y compris ma personne, et on avait en face de nous Monsieur Ouyahia avec 2 de ses conseillers. Donc on était en face les uns des autres. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que vous lui avez remis vos propositions, ainsi que les autres participants, qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur Yahya va faire une synthèse, d'accord. Mais après? J'espère que cette synthèse-là, d'abord qu'elle puisse être publiée, c'est ce que nous avons demandé. Vous savez, moi, dès le départ, quand M. Ouyahia m'avait appelé pour m'inviter à cette consultation, j'avais proposé, suggéré même ces rencontres et ces consultations soient publiques, parce que les Algériens ont le droit, d'abord, de comprendre ce qui se passe entre la présidence et les invités de la présidence, tous les partis politiques et personnalités. Et puis, on a envie aussi de responsabiliser tout un chacun, parce que les Algériens ont le droit de savoir ce que chaque parti propose justement, et d'une manière directe, au lieu de le faire par le biais des médias. Mais bon, c'est une proposition qui n'a pas été retenue. Mais si ce n'est N'empêche pas le que cas, nous, si ce n'est pour pas le cas. confirmer notre volonté, c'est notre projet, notre proposition, on l'a mise sur le site web du parti et sur la page Facebook pour que tous les Algériens puissent prendre connaissance. Et si ce n'est pas le cas, si la synthèse n'est pas rendue publique, elle est directement remise à Monsieur le Président, entre guillemets, on nous fait croire que c'est lui qui va la lire, qui va l'étudier. Et ensuite, est-ce qu'elle sera soumise à un référendum? Est-ce que c'est le Parlement qui devra la voter? Est-ce qu'il y aura une ordonnance? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite des Vous événements? savez, nous, dans notre proposition, on a dit que vu que ce que nous proposons, c'est carrément une nouvelle constitution pour l'Algérie de l'avenir, pour l'Algérie de demain, pour les jeunes. Donc, on ne peut pas imaginer, sincèrement, que cette constitution puisse se faire en dehors de la voie référendaire. Parce que là, il s'agit de l'avenir de l'Algérie, et je pense que tous les Algériens ont le droit de s'exprimer sur ce projet de constitution. Maintenant, on ne va pas faire des procès d'intention. On va attendre justement le résultat de cette synthèse du directeur de cabinet, et puis on va voir aussi
quelles sont les mesures ou quelles sont les prochaines étapes qu'ils vont proposer? Parce que jusqu'alors, on ne connaît pas, hein, parce que quand on a discuté, Monsieur Ouyahia et moi au téléphone, il m'avait dit la première étape, c'est les consultations individuelles pour toutes les personnes invitées à cette consultation. Maintenant, la deuxième étape, il se peut qu'il y ait une autre étape qui puisse réunir l'ensemble, puisque tout le monde adhère à la démarche de dire il faut aller vers une constitution de consensus ou Madame consensuelle. Essoul, Donc, Madame il Essoul, est qu'on a aller vers ça. Madame Essoul, si par contre, ils vont refaire ce qu'ils ont fait pour la dernière révision constitutionnelle, c'est-à-dire ils ont promis, le président Bouteflika avait promis publiquement qu'il allait soumettre la révision, le projet, à un référendum. Ensuite, ils ont passé en catimini devant les deux chambres, ils ont approuvé la constitution, la dernière, celle-ci, et il s'est rien passé. Si ils vont vous refaire la même chose, ça veut dire ils donnent l'impression de vous avoir tous consulté. Ensuite, ils sortent leur propre mouture, où ils mettent ce qu'ils veulent, et ils la passent encore devant les deux chambres qui ne manqueront pas de l'adopter. Comment considéreriez-vous votre participation alors, à ce moment-là? Est-ce qu'on vous aura Écoutez, trompé? Est-ce qu'on vous aura trompé? Écoutez, à ce moment-là, on aura notre position de toutes les manières. Nous, on est contre que l'amendement de la Constitution, la nouvelle Constitution, passe par le Parlement. D'autant plus que ce même Parlement, il y a énormément de partis politiques qui sont dedans, qui sont partisans et qui s'expriment et qui disent que ce Parlement n'est pas représentatif, il n'est pas crédible, mais je pense que le pouvoir lui-même a intérêt pour un peu plus de crédibilité. Je pense qu'il a intérêt à ce que ce projet passe par voie référendaire. Maintenant, si le pouvoir fera l'inverse, eh ben c'est toute la confiance que tous les Algériens vont perdre encore une fois et une bonne fois pour toutes en ce pouvoir. Merci, maître Assoul Zoubida. Merci pour votre participation en espérant vous re revoir bientôt sur la chaîne Le Maghribia. Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Salam alaikum, à demain. Sahaf Torkoum.